Allez, bonjour, un petit problème récurrent, faire des groupes de façon homogène, hétérogène, enfin, voilà, comme on veut, rapidement. C'est un sujet qui revient souvent sur votre page Facebook favorite. Alors, il y a plein de solutions, vous regarderez, vous tapez Kim K, voilà, quelle est la solution la plus courante? Des exemples, faire des équipes équilibrées, on rentre des coefficients, on rentre les noms, on rentre des coefficients, on génère le nombre d'équipes, voilà. Etc. etc. Allez, je vous le montre en trois formules, 10 secondes sur Excel 365 uniquement. Voilà le cahier des charges, j'ai une liste de noms, je change des coefficients comme je veux, il me les classe le rapidement possible et il me change les équipes, je détermine le nombre d'équipes. Si je mets ici, si je change le coefficient, je lui mets 5 à la place du 3. Vous avez vu, la liste s'est mise à jour, les placements dans l'équipe s'est mis à jour en permanence, c'est en temps réel. Soit je peux trier par répartir les équipes, les élèves en groupe équilibré, voilà, les plus forts dans l'ordre, comme ça, parce que c'est une dispersion horizontale, soit c'est une dispersion verticale, comme ça. Je mets rapidement, je peux changer le nombre d'équipes, alors ça me plus long, mais bon, vous mettrez un chiffre, c'est pareil, si je fais trois équipes, donc vous avez vu. Si j'en mets quatre, on retombe là-dessus. Allez, comment on fait ça? Trois formules, hein. C'est ça qui est super. Bon, ça c'est vos données, vos noms, vous changez un coefficient, un chiffre, un niveau, ce que vous voulez, on s'en fout. Alors, une fois qu'on a fait ça, là, ça c'est vos données, le tableau ici, le vecteur de départ ici, on se met dans la colonne ici où vous voulez, il travaille. Il n'y a qu'une seule cellule à remplir, hein. Le reste va se peupler automatiquement. Il n'y a rien dans celle-là, rien dans celle-là, rien dans celle-là. Juste, on se met en haut à gauche du tableau qu'on veut créer. Dans un premier temps, on va trier. C'est la fonction, bah, tout bêtement, trier par la zone de tri et le critère de tri. La zone de tri, c'est A4B35, donc c'est bien celle-ci. Et puis, le critère de tri B4B35, c'est bien la deuxième colonne qui est ici. Vous avez vu, il suffit de marquer trier par, entre parenthèses, le vecteur de recherche avec le chiffre qui va avec et le critère de tri. Et automatiquement, il vous trie les élèves par niveau 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, etc. etc. Démonstration, si je change le 2 en 5, je valide, vous allez voir, hop, toute la liste s'actualise et se remet en route. Deuxième partie, une fois que j'ai trié tous mes élèves, je peux commencer à peupler des poules qui sont ici. Et ben c'est la même démarche, c'est simplement la formule organisation en ligne. Alors, organisation en ligne de quoi? Et ben de cette liste ici. On suit des coefficients maintenant qui sont triés, c'est surtout les noms qu'on veut répartir ici. Donc, des 4, des 35, des 4 à des 35, ma liste est toute triée. On suit des coefficients, c'est déjà fait. Ensuite, la deuxième paramètre, c'est K2. K2, c'est quoi? C'est le nombre d'équipes. Là, j'ai mis une liste déroulante qui va de 1 à 10, mais si vous mettez un chiffre ici dans la formule, à la place du K2, vous mettez 2, 3, 4, 5, 6, 7, il va automatiquement vous le mettre répartir dans le bon nombre de colonnes. Et pourquoi le dernier argument, entre guillemets, ici derrière, c'est quand les cellules sont pas remplies, on met rien du tout. Parce que sinon, si on se met ici et qu'on lui dit de travailler avec 5 équipes, par exemple, ça va nous mettre des cases vides ici, pardon, les cases vides qui sont ici, là. On lui dit de rien mettre dedans, sinon il vous met une sur-A ou je sais plus quoi. Voilà, on veut simplement que ça soit vide. Voilà, mes équipes sont équilibrées, 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 équilibrées. J'ai juste besoin de changer le nombre d'équipes. Hop, et il me le reclasse automatiquement. C'est la même chose. Si on veut faire une organisation en colonne, là c'est la ligne, voilà, donc on va peupler comme ça, de gauche à droite, on met le nombre d'élèves par groupe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si je veux que 9 élèves par groupe, voilà, il va m'augmenter et il va me faire le dernier groupe incomplet. Voilà, vous avez vu, ça se fait en, allez, 3 minutes top chrono. Et vous pouvez surtout avoir la main sur tout ce que vous faites, les coefficients, les noms, le nombre d'élèves, le nombre, voilà, les listes déroulantes. Je n'ai pas essayé, mais je pense qu'on peut actualiser plein de choses sur des tournois, voilà, classement. Ok, allez, à plus!